Clap or pray. Clap or pray. Clap or pray. Jesus. 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 Oh, for acclamation. Clap or pray. Jesus. 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 Merci. Alléluia. Praise the Lord. Beaucoup ont les oreilles très très tendues. Many have stretched. Même quand tu les regardes, ears, even when ils you veulent look savoir at them, qu'est-ce qui s'est passé. They want to know what happened. Au Cameroun. In Cameroon. Alléluia. Praise the Lord. Mais nous ne pouvons pas parler de ça maintenant. But we cannot talk about that now. Il y a une sœur qui était oppressée toutes les nuits. There is a sister who was oppressed all night. Les gens viennent l'oppresser. People come to oppress her. Les maris de nuit. The night, the husband in the spirit also. Quand on a fait les prières de combat. When we carried out the prayers of battle. On a envoyé le feu dans les forêts sacrées. We sent fire in the sacred forest. La nuit. In a night. Elle se retrouve, parce qu'elle dit qu'elle se retrouvait chaque nuit au village. Because she said en fait, that toutes les nuits, elle était au village. All the nights, she found herself in her village. Elle s'est donc retrouvée au village, la forêt a pris feu. She then found herself in a village and the forest was set on fire. Le village a brûlé. And the village was burned. Plus d'oppression. No more oppression. Jusqu'à notre retour. Until we came back. Il y a une petite fille. There is a little girl. Quand on brisait les obstacles. When we were breaking obstacles. Elle s'est retrouvée au fond, en bas, et elle montait les marches. C'est comme si c'était l'escalier revenait à la surface. She found herself deep down and she was coming up as if it was the stairs and she was coming on the surface. On a intercédé pour les besoins. We interceded for the needs. C'était lundi. It was on Monday. Mardi vers 5h30, le téléphone d'une sœur sonne. Tuesday around 5:30 a.m. the mobile phone of sister rang. Quelqu'un lui fait un dépôt de 100 combien? 150 000. Someone gave her a deposit of 150,000. Parce que j'avais dit, vous allez, certains vont recevoir des cadeaux maintenant. Because I said some will receive. On va donner de l'argent. Now money will be given. Dieu voulait prouver que ça vient de lui. Même si tu veux donner l'argent à quelqu'un, pas 5h30. God wanted to show that it is from Him, because if you want to give money to someone, it cannot be at 5:30 a.m. Dans la journée, quelqu'un d'autre lui dit tiens. In the daytime, someone else say. Take it. Elle ouvre la main, 20 000. She opened the hand, 20,000. Non, Dieu était là. God was there. Pour encourager. To encourage. Pour exaucer. To grant. Pour confirmer. And confirm. Alléluia. Praise the Lord. Il y a eu un miracle là-bas. There was a miracle there. J'ai conduit les frères dans les combats parce que mon fardeau était que les frères maîtrisent les combats spirituels. My burden was that the brethren master the spiritual warfare. J'ai présenté le livre du frère Zach. I presented the book of Brother Zach. Où il redéfinit la prière. In which he gave a redefinition of prayer. Et on a bombardé. And we bombarded. Là, on a prié avec violence. There we prayed with violence. Violence même. We prayed fervently. Une sœur fut revêtue. A sister was, she was dressed. C'est-à-dire revêtue, c'est-à-dire ointe. She was empowered. Il y a eu une partition. There was an impartation. Elle est rentrée chez elle. She went back home. Sa maman était malade. Her mother was sick. Elle ne voyait pas. She could not see. Elle a prié. She prayed. Elle dit qu'elle n'a jamais prié comme she ça. She said that she had never elle prayed. Elle a posé les mains à sa mère. She laid hand on her mother. Elle a prié, dit qu'elle était trempée de sueur. She prayed and she said that she was sweating. Le matin. In the morning. Et voit sa mère est là.
She saw her mother there. Elle dit, comment, maman? So, how is it, mother? Elle dit que j'étais là, mes yeux étaient lourds. Mes yeux she said étaient that lourds. I was there, my eyes were heavy. Et puis maintenant, je vois. And now I see. Jésus Christ. Elle dit, quand elle rend témoignage, tu peux croire qu'elle s'amuse. And when she is giving a testimony, you can even believe that she's joking. Dit, après la prière, quelque chose pesait sur les paupières. She said that after praying, something was weighing on her eyebrows. Elle s'est mise à voir. And she started seeing. C'est encourageant, frère. It is encouraging, brethren. Le Seigneur nous a révélé. The Lord revealed to us qu'il faut former toute l'Église à la délivrance. That the entire church should be trained in deliverance. Le Seigneur m'avait dit. The Lord told me. Tant que vous n'avez pas enseigné, as long as you have not taught, que les démons les plus puissants, that the mightiest demons, ne sortent que par le jeûne et la prière, only go out through fasting and prayer. Tout votre enseignement sur la prière, sur la délivrance, reste incomplet. All your teaching about deliverance is incomplete. Il faut que chaque frère, each brethren, soit restauré dans sa vie de prière personnelle. Must be restored in his personal prayer life. C'est le chemin de la puissance individuelle. This is the way of individual power. Le jeûne et la prière individuelle. Fasting and individual prayer. Planifie ta vie de prière personnelle et ta vie de jeûne personnelle. Plan your personal prayer life and your personal life of fasting. C'est ce que j'ai eu, ce que j'ai décidé personnellement. That's what I've decided personally. Quand j'ai vu ce que Dieu nous a montré, when I saw what God showed us, j'ai vu les besoins des hommes. I saw the needs of men. Le secret. The secret, c'est la prière, is prayer, et le jeûne, and fasting, devant Dieu, before God, pas pour opérer les miracles, not to work wonders, pour avancer soi-même, but to go forward you yourself. Chaque frère, each brother, a une route tracée par Dieu devant lui, has a way that have been traced by God before him. Chaque frère, each brother, la voie est tracée devant toi, the way is paved before you. Le travail du diable, the work of the devil, c'est de te barrer la route. Is to bar your way. Tu es déjà sauvé. You are already saved. Tu es béni. You are blessed. Le diable sait que the devil knows that tu dois évoluer. You must evolve. C'est ce progrès là qui fait peur à Satan. It is this progress that brings Satan in the battle. Jésus était déjà né. Jesus has already born. Mais Hérode sait très bien ce que deviennent les petits rois, même s'ils sont bébés. But Herod knows very well what the little kings become, even if they are babies. Donc, il connaît le secret. He knows the secret. Il sait qu'il faut tuer les bébés. He knows that babies must be killed. Faut pas le laisser grandir. You must not let him grow. Parce que s'il grandit, because if he grows, il va t'éjecter. He will remove you from your armchair. David a tué Goliath. David killed Goliath. Il a tué les lions. He killed the lions. Il a tué l'ours. He killed the avec wolves. Peut-être deux ou trois ou plus, je ne sais combien, mais il a tué les ours. But he killed wolves. Il a battu les Philistins. And he defeated Philistines. Mais but il devait entrer dans Jérusalem. But he was to get into Jerusalem. C'est quand il a décidé, it is when he decided, d'entrer dans la capitale, to enter the capital city, qu'il a rencontré la plus grande adversité, that he encountered the greatest adversity, la plus grande opposition, the greatest opposition. Lisez pour nous 1 Samuel chapitre 15 verset 1 et 2. 1 Samuel chapter 15, reading from verse 1 to 2. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël.
Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Amen. 1 Samuel 15. Lis la suite. Lis ce que Dieu demande de faire. Continue to read what God asks to be done. Le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. 2 Samuel maintenant, chapitre 5. 2 Samuel now, chapter 5. Verset 6 à 10. Reading from verse 6 to 10. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Qu'est-ce que ces deux passages disent? What do those two passages say? Ces deux passages enseignent que l'ennemi va fermer ta route, va bloquer ton progrès. Those two passages show that the enemy will block your the way and block your progress. Quand Satan se réveille le matin, when Satan gets up in the morning, son plan, his plan, comment te barrer la route, how to bar your way. Au moins, il se dit, au moins, si je pouvais l'empêcher de continuer. He tells himself, at least if I can prevent him from going on. David devait entrer à Jérusalem. Was to enter Jerusalem. Tu as un Jérusalem. You possess a Jerusalem. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a ce qu'il peut appeler sa Jérusalem. Each of us possesses what he can call his Jerusalem. Il y a la Jérusalem de ta vie de prière. There is the Jerusalem of your prayer life. Il y a la Jérusalem de ta vie de sanctification. There is the Jerusalem of your life of sanctification. Il y a la Jérusalem de ta vie financière. There is the Jerusalem of your financial life. De ta vie académique. Of your academic life. De ton entreprise. Of your enterprise. De ta carrière. Of your career. Le diable se dit, the devil tells himself, empêchons celui-ci, let us hinder this one, d'atteindre ce niveau normal que Dieu a prévu pour lui. That to reach that normal level that God has planned for him. Et c'est là, and it is there, la vraie bataille, the true battle. Parce qu'au-delà de barrer la route, because beyond barring the way, il y a la possibilité de te tuer et de te détruire. There is also the possibility to destroy you, to kill you and destroy you. C'est-à-dire, il ne vient pas seulement pour barrer la route passivement qu'elle ne passe pas ici. That c'est is, pour mener une action telle que si tu ne meurs pas, au moins tu es bloqué. That is when he comes, it's not just coming to bar the way, but it's just to take an action such that if you do not die, you are blocked at least. Pour remporter cette victoire, to win that victory, il ne faut pas tolérer un péché volontaire. You must not tolerate a voluntary sin. Le péché est la première arme que le diable va utiliser
pour t'arrêter, pour t'empêcher d'avancer. Sin is the first weapon that the devil is going to use to attack you, to hinder you from going forward. À ce niveau, on remporte la victoire en travaillant sur les idoles, sur son cœur, en rejetant toute pensée, tout projet qui est contre la volonté de Dieu. At this level, you work by overthrowing the idols to work. You work against all the idols that are on your heart, against any project to keep sin in your life. Dieu dit, God says, à Samuel, va dire. Va dire à Saül. God told Samuel, go tell Saul. Que je me souviens d'Amalek qui avait barré la route à Israël quand Israël sortait de l'Égypte. That I remember Amalek who blocked the way to Israel when Israel was coming out of Egypt. Il dit, va le détruire. Say, go and destroy it, him. Ne laisse rien. Do not leave anything there. Dieu prend cette affaire très au sérieux. God takes this problem, this matter very earnestly. Barrer la route, barring the way, à un enfant de Dieu, to a child of God, l'empêcher d'atteindre le but de Dieu, preventing him to reach the purpose of God in his life, mérite un châtiment éternel. This deserve an eternal punishment. Et cela ne doit arriver que contre le diable. And this should happen only against the devil. Parce que si c'est un homme qui te barre la route, because if it is a man that bar your way, le Seigneur dit que un tel homme mérite qu'on attache une pierre à son cou, on jette au fond de la mer. The Lord says that such a man deserves that we tie a stone to his neck and cast him deep down in the sea. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas être parmi ceux qui sont occasion de chute pour les frères. That's why you should not be among those who cause the brethren to stumble. Là où il y a médisance, commérage, where there is gossiping, là où il y a des actions qui peuvent empêcher un enfant de Dieu d'avancer, there where there are actions that can prevent a child of God from moving forward, il ne faut pas t'asseoir là. You must not be sitting there. Le somme 1. This is someone. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Blessed is the one who does not walk according to the advice of the wicked one. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. And who does not sit with the mockers. Il dit, souviens-toi d'Amalek. He said, remember Amalek. Amalek avait fermé la voie à Israël. Amalek closed the way to Israel. Va le détruire. Go destroy him. Et la parole de Dieu dit ensuite. And the word of God said then, les Philistins avaient dit, Philistines said, David n'entrera point ici. David shall not enter here. Si Dieu te donne cette maison, if God gives you this house, et tu viens avec tes bagages, and you come with your, tu veux entrer, belongings, and you want to enter, et une foule d'individus se présente, and a multitude of people present themselves, que tu n'entreras pas ici, that you should not get here. Tu dis, si tu dis merci, and he say thank you, tu as perdu. You have lost. Tu vas tourner au quartier. Dès que tu t'approches de ta maison, les gens se présentent. Tu n'entres pas ici. You turn around in your quarter, and as soon as you come near your house, people present themselves. They say you should not enter here. Donc, so, chacun. Each one doit combattre, must fight, pour détruire les obstacles qui l'empêchent d'avancer, to destroy the obstacles that prevent him from moving forward. C'est pour cette raison que même pour choisir un ami en Christ, it is for that reason that even to choose a friend in Christ, ne choisis pas quelqu'un qui va te faire abandonner la course. Do not choose someone who will lead you to abandon the race. Choisis quelqu'un qui est pour toi un encouragement. Choose someone who is for you an encouragement. Que quand tu penses à la personne, and that when you think about that person, tu n'as pas envie de retourner. You don't feel like backsliding. Tu iras loin. You will go far. Si tu bâtis les relations sans tenir compte de tous tes combats,
If you build up relations without taking into account all your warfare, si tu oublies que tu es quelqu'un qui va au ciel, qui a une destination claire. If you forget that you are someone who is going to heaven, who has a clear destination, tu vas perdre beaucoup de temps. You will lose a lot of time. David a frappé. That David struck. Il est entré dans Jérusalem. And he entered Jerusalem. Il a gravé son nom sur le mur. And he engraved his name on the wall. Cité de David. The city of David. Il a arraché la forteresse. And he took hold of the fortress. La forteresse, c'est là où on peut se retirer. L'ennemi se retire là pour bien s'organiser. The stronghold is the place where the enemy retired in order to organize himself very well. David a arraché. David laid hold of it. Dans le combat spirituel, in a spiritual warfare, il y a des choses que Dieu te permet de prendre. There are things that the Lord allow you to take. Il y a des moments où il te dit ne touche à rien, brûle tout, détruis tout. And at times he tells you do not touch anything, destroy all. Mais d'une façon générale, but generally speaking, chaque victoire, each victory, procure la richesse, gives riches, matériel et spirituel. Spiritual and material. Que personne ne te trompe. Chaque victoire sur l'ennemi. Let no one deceive you. Any victory on the enemy. T'élève. It lifts you up. Te rend riche. And makes you rich. Te rend grand. It makes you great. Chaque défaite. Any defeat. Diminue tes richesses. Each defeat decreases your riches. En fait, l'esprit qui t'a dompté va te dépouiller. That is the spirit that tamed you will. Rid you from everything. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Each one is a slave of what has overcome him. Tu dois frapper. You must strike and strike. Tu ne dois pas reculer. You must not go backward. Si tu rapportes la victoire, if you win victory, tu seras riche. You will be rich. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous Psaume 1. Read for us Psaume 1. Verset 1 à 2. Reading from verse 1 to 2. Pardonnez, Psaume 2. Please. On vient de citer le 1. C'est passé. Maintenant, c'est le 2. Psaume 2. We have already quoted the 1. Now it's the Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, brisant leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Amen. Why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. Alléluia. Praise the Lord. C'est la même bataille. This is the same battle. Il y a beaucoup de prophètes dans le monde. There are many prophets in the world. Mais quand tu analyses, but when you analyze, tu constates une réelle adversité contre Jésus. You notice a real adversity against Jesus. Un grand complot contre Dieu. A great plot against God. On veut détourner les hommes. They want to turn. On veut amener les hommes à oublier Dieu. On dit il est mort, il est méchant. They want to turn people away from God. They want to bring people to forget God, say that he is wicked. Pourquoi? Why? Le monde est méchant. The world is wicked. Le monde veut vivre dans le désordre. The world would like to live in disorder. Le monde veut calmer sa conscience. The world would like to cool down its conscience. Parce que le Saint-Esprit condamne chacun dans sa pensée. Because the Holy Spirit condemns each one in his thought. Mais les vrais enfants de Dieu, but the genuine children of God, sont invités à résister. Are invited to resist.
Brisons leurs liens. Let us break the bonds. Délivrons-nous de leurs chaînes. And let us deliver ourselves from the chains. Ne reste pas là, on te fatigue. Do not remain there and you are being they make you tired. Beaucoup ont des prophéties. Many have prophecies. Que Dieu leur a donné des vraies prophéties. That God gave them true prophecy. Ils savent ce qu'ils vont devenir. They know what they will become. Et parce que ça se fait avec la tchéké et le plakali. They think that this is done with the tchéké and the plakali. Je serai grand. I will be great. Dieu m'a dit que je vais réussir à tel concours. God told me that I will succeed such a contest. Il m'a montré mon mariage. He showed me my marriage. Et dès que tu essaies de t'approcher, bam! Venez, elle ne passe pas. As soon as you try to get near, they pound, they come, they say, come, it shall not pass you. Après, tu pleures. And after you start crying. Tu dis, il y aura mon miracle, il y aura mon miracle. And you say, my miracle will come. Tu tournes là-bas. You turn there. L'ennemi ne s'occupe même pas de toi. The enemy does not even care about tu you. Tu vas ici. You come here. Il ne s'occupe pas de toi. He does not care about you. Dès que tu dis, mon mariage, bam! As soon as you say, my wedding, my marriage, bam! Tu ne passeras pas ici. You shall not pass here. Après, tu pleures. And after you cry. Et tu rentres. And you go back. Et toute ta vie est finie. And all your life is finished. Il y a un complot contre toi. There is a plot against you. Contre chaque enfant de Dieu. Against each child of God. Et le Seigneur lui-même. And the Lord he himself. Il est au courant. He knows that. Mais il t'a donné les armes. But he has given you the weapons. Et il nous a bénis. And he blessed us. Il dit, tu seras affermi par la justice. He said that you will be strengthened by justice. Tu seras affermi par la justice. You will be strengthened by dans righteousness. Cette bataille là, dans cette bataille, in that warfare, sois juste. Be righteous. Sois fidèle. Be faithful. C'est ta force. This is your strength. Et il dit, and he says, si l'on forme de complot, if people make plots, cela ne vient pas de moi. This will not come from me. Mais quiconque se liguera contre toi, but whoever shall rise against you, tombera sous ton pouvoir. Shall fall under your power. Tu dois savoir, you must know, qu'il y a des complots contre toi. That there are plots against you. Elle n'entrera pas ici. And she shall not enter here. Elle n'entrera pas ici. She shall not enter here. Tu n'entreras pas ici. You must not. You will not enter here. Le diable quand il se réveille. The devil, when he wakes up, il n'entrera pas ici. He will not enter here. Il n'entrera pas ici. He will not enter here. Il n'entrera pas ici. He will not enter here. Certains sont missionnaires. Some are missionaries. Effectifs, 25 personnes. And their numbers, 25 people. Après 10 ans, 25 personnes. After 10 years, 25 people. C'est fini. It's finished. Il ne passera pas ici. He will not pass here. Et chaque jour on surveille. And every day they watch over. Chaque jour on surveille. They watch over. Et toi tu es là, tu dis pourtant Dieu m'a parlé. And you are there. He said, but God spoke to me. Donc tu m'as menti, Seigneur, tu m'as menti. So the Lord, you lied to me. You lied to me. Il y en a qui pensent que Dieu est infidèle. Ils veulent donc faire un chantage en se révoltant. Some people think that the Lord is unfaithful and they want to do a blackmail. No. Telling God. Dieu est fidèle. No, God is faithful. Tu ne connais pas le combat. You don't know the warfare. Tu ne connais pas le combat. You don't know the warfare. Tu ne sais pas. You don't know. Que le diable a dit. That the devil said. Cette femme. That woman. Ce monsieur. That man. Ils ne verront pas la gloire de Dieu. They will not see the glory of God. Joseph. Jehoshaphat avait reçu des promesses, received the promises, deux visions claires, two clear visions, et le diable aussi avait vu ces visions là, and the devil also saw those visions, et il a dit le petit là, and he said that little boy, il ne sera pas ce que Dieu dit là, he will not be what God said of him, il est passé plusieurs fois à côté de la mort, he went many times near death, ce qui l'a sauvé, what saved him, c'est son intégrité, it is his integrity. Tu seras fermé par ta justice. You will be strengthened by your righteousness. Avec la justice, il a ébranlé le royaume du diable. With justice, with his righteousness, he shook the kingdom of the devil. La promesse de Dieu s'est accomplie. And the promise of God was accomplished. Joseph est le prince de l'Égypte. And he became the prince of Egypt. Un jour, one day, toute sa famille avait le front contre terre. All his family, they bowed down.
la parole s'est accomplie. The word of God was accomplished. Si tu es intègre, if you are a man of integrity, si tu luttes personnellement contre ton péché personnel, if you personally fight against your personal sin, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. All the promises of God will parce be fulfilled. Que Dieu a béni, il a béni son peuple. Because God blessed his people. Il dit tu seras fermé par la justice. He said you will be strengthened by the righteousness. Beaucoup ont des besoins. Many have needs. Mais la règle d'or, but the golden rule, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Is to first of all seek the kingdom of God. Quand le diable veut te barrer la route, when the devil wants to bar your way, il t'amène à te concentrer sur les choses secondaires. He brings you to focus on secondary things. Il sait qu'en le faisant, tu n'es plus dans la victoire. He knows that by so doing, you are no more in victory. In the victory. Fais de l'Éternel tes délices. Make delight in the Lord. Il te donnera ce que ton cœur désire. And he will give you what the desires of your heart. C'est la même doctrine partout. You see, it is the same doctrine everywhere. Pour vaincre, to overcome, il faut pratiquer ces choses-là. You must practice those things. Tu es effrayé. You are afraid. Ce n'est pas ça qui est important. This is not important. Sois fidèle. Be faithful. Sois fidèle. Be faithful. Élie était un homme comme toi et moi. Elijah was a man like you and me. Il avait ses frayeurs. He was afraid. He had fears. Il avait ses doutes humains. He had his human doubts. Mais il croyait en Dieu. But he believed in God. Il a fermé le ciel. And he closed heaven. 3 ans et demi. 3 years and a half. C'est à travers toi et avec toi que Dieu veut opérer ces choses-là. It is with you and through you that God wants to perform those things. Ce n'est pas que quand tu seras fort, mais mûr. It's not that when you will be strong. C'est maintenant. It is now, right now. Pendant que tu es en train de trembler. While you are shaking. Que le Seigneur te donne ces victoires-là. That the Lord gives you those victories. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Whoever rises against you will fall down under your power. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Any weapon brought against you will be without effect. Et l'apôtre pouvait dire. And the apostle could say, Satan sera bientôt sous vos pieds. Satan will soon be under your feet. Tous les vrais croyants, all the true believers, connaissent ce niveau de combat là. Know those level of struggle. Quelqu'un lit, viens lire pour nous. Come and read for us. 1 Thessaloniciens 2 verset 18. 1 Thessalonians 2 verse 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. Amen. Satan a barré la route. Satan barred the way. Une route barrée, une route fermée doit être ouverte. A way that is blocked or barred must be opened. Comment combattons? How do we fight? C'est ça qui est important. This is what is important. Le combat à ce niveau, the warfare at this level, se fait à travers la parole. Is done through the word. La parole. The word. La parole humaine. The human word. Proclamée. Proclaimed au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. La parole de l'homme. The word of man. Proclamée. Proclaimed au nom du Seigneur Jésus. In the name of the Lord Jesus. Est une arme. Is a weapon. Pour créer. To create. Pour détruire. To destroy. Pour planter. To plant. Pour bâtir. To build. Pour arracher. To uproot. Pour abattre. And to bring down. La parole. The word. Même si tu jeûnes, even if you are fasting, il faut parler. You must speak. Si tu jeûnes, if you fast, sans parler, without speaking, il n'y aura rien. There will be nothing. C'est la parole qui crée. It is the word that creates. Sur la terre des hommes ici. On the earth of man here. Il n'y a que l'homme.
Ils sont les mains qui a reçu le pouvoir de parler. Who received the power to speak. Dans le monde physique. In a physical world. Tous les animaux. All the animals. Peuvent communiquer. Can communicate. Mais ils ne parlent pas. But they don't speak. Ils ne parlent pas. They do not speak. L'homme a le don de la parole. Man possesses the gift of speaking. Il peut dire à la montagne. He can tell the mountain. Je te déracine. I uproot you. Et la montagne va se déraciner. And the mountain will be uprooted. Nous l'avons expérimenté. We have experienced this. Va l'expérimenter. Go and experience it. Va l'expérimenter. Go and experience. Va l'expérimenter au niveau individuel. Go and experience it at the individual Va level. Va l'expérimenter au niveau collectif. Go and experience it at the collective level. Tu verras. You shall see. Il y aura la route. There will be the way. Même nous-mêmes, même ici là, c'était fermé. Even we here it was closed. Là. Cassez les verrous. We broke the bars of iron. Te voilà dans la salle. And here you are in the hall. Demain, le même Dieu et ta parole est vraie. Tu nous communiques la vie ce soir. Tu nous donnes de l'assurance. Tu nous donnes de pouvoir vaincre, de pouvoir piétiner l'ennemi, d'écraser l'ennemi, parce que tu es le Dieu de victoire. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Let us pray together. Amen. Amen. Dieu t'a béni. God has blessed you. Devant toi, before you, il y a une voie droite. There is a straight way. Il y a une position idéale. There is an ideal position. Le travail du diable, the work of the devil, c'est de te barrer la route. Is to bar your way. Il est méchant. He's wicked. Il utilise le péché. He uses sin pour te casser. To break you. Il utilise l'adversité. He uses opposition. C'est-à-dire les démons et les hommes. That is demons and men. Pour barrer la route. To bar the way. Il peut utiliser d'autres phénomènes. He can use another phenomena. Tels que la maladie. As sickness. L'oppression. Oppression. Pour t'effrayer. To frighten you. Il ne veut pas que tu avances. He does not want you to go forward. Il y a deux armes. There are two weapons. Ta sainteté personnelle. Your personal holiness. La prière et le jeûne. Prayer and fasting. Dans cette prière et le jeûne. In that prayer and fasting. C'est la parole humaine. It is the word itself. Tu dois l'utiliser. You must use it. Pour détruire. To destroy. Il faut aller au-delà de Seigneur, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. You must go beyond. Lord, please, do not abandon you. Do not forsake me. Le Seigneur a donné le pouvoir. The Lord has given the power. De planter. To grow. De déraciner. And to pull up. Si tu sens. If you feel. Qu'il y a un complot. That there is a plot. Comme le Seigneur nous révèle dans le psaume 2. As the Lord reveals to Pourquoi us ces vaines pensées parmi les nations? Why these vain thoughts among the nations? Pourquoi? Why? Et que, après il dit, brisons leurs liens. And after he says, let us break the bonds. Donc tu dis, je brise. Tu ne dis pas, s'il te plaît, c'est Dieu t'a béni. You don't say, oh, please, Lord, God has blessed you. Tu casses. You break. Tu enlèves. And you remove. Il est même bon. It is even better. D'avoir un frère avec qui tu pries. To have a brother with whom you pray. Quelqu'un qui aime Dieu. A
brother that loved God. Quand Daniel a eu les difficultés. When Daniel went through hardships. Il a partagé à ses amis. He shared it with his friends. Ils se sont mis en prière. And they started praying together. Dieu lui a donné la révélation. God gave him the revelation. Cherchez de bons amis dans la prière. Seek good friends in prayer. Frère, au niveau où nous sommes arrivés, brethren, at the level where we are, ne bâtis pas de fausses relations. Do not build up false relations. Ne fais pas que si tu vois quelqu'un avec une voiture, tu dis, est-ce que je peux venir chez toi, on prie ensemble? Do not do such that you see someone with a car, you say, can I come to you and pray together with you? Tu dis, moi j'aime les frères. You say, I love the brethren. Après, tu te retrouves dans son frigo, dans partout tu entres ici, tu sors. And after you find yourself in his fridge, and everywhere you go here, you enter here. Là, c'est le banditisme. And this is banditism. Tu peux prier avec un frère pauvre. You can even pray with a brother that is poor. Quand l'esprit vous rapproche. When the spirit brings you to come to be near. Au début. In the beginning. Vous pouvez manquer de tout. You can lack all. Puisque vous êtes oppressé. Because you are oppressed. Mais quand vous serez délivré. But when you are delivered. Vous devenez une source de prospérité. You will become a source of prosperity. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.